Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, nouvelle très importante. Je suis de retour sur Twitter. De retour. Claim back my throne. J'ai perdu accès de mon Twitter à cause d'une erreur vraiment stupide de la part d'un autre YouTuber, mais c'est correct. Je suis back sur Twitter, @ChiefMounirLol. S'il y a 1000 followers ce soir, je poste une vidéo demain, ok? Fait pas juste cela. Moi, je ferais des moves comme ça, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tier list, vibes, 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 fall vibes, cuffing season vibes. Ce qui a été le plus demandé legit sur cette chaîne, c'est de rank les cégeps du Québec. Cette vidéo n'est pas sponsor par le SRAM. J'ai aucune expérience pédagogique en tant que telle. J'ai été remplaçant puis surveillant dans une école secondaire. Les cégeps, j'ai joué contre eux au football. Je les ai visités. Puis j'ai plein d'opinions sur plein de choses. Fait que cette vidéo, il vaut la peine que tu l'écoutes. Le pitch pour cette vidéo est hard. Genre, si j'étais dans un ascenseur, j'étais comme yo, en 5 secondes, dis-moi pourquoi je devrais checker cette vidéo, ce serait top. Là, il faut juste mentionner que cette liste va avoir aucune information qui est dite potable. Je connais pas les cégeps, tout va venir de mon expérience personnelle. J'ai même sûrement rank des cégeps par rapport à leur nom. Il y a vraiment aucune rigueur professionnelle à comment je vais les rank. C'est purement personnel. Si un cégep est bas dans cette tier list, c'est pas un mauvais cégep. Juste dire ça out of the bat. Mais overall, l'éducation supérieure, c'est fucking cool si tu veux aller au cégep. Et on va commencer. Moi, je suis allé au cégep, au collège Lionel Groulx. J'ai joué 3 ans au football pour les Nordiques. J'ai un parti pris clair. On va briser ce parti pris. Je vais le mettre à C. Pour vrai, Lionel, c'est un bon cégep. J'ai rien à dire. Continuons. Cégep d'Edouard, mon petit. C'est ça que je vous ai dit. La majorité de mes histoires sur des cégeps, ça va être des histoires de foot. Edouard, pour vrai, vous êtes des grands parleurs, petits faiseurs. Vous êtes là à trash talk sur Facebook, sur Instagram, trash talk. On arrive, on joue contre vous, puis ça pleure à ses coachs, puis il y a 10 blessés au 4e quart. Moi, j'ai jamais eu d'expérience le fun là-bas. En fait, j'ai perdu mon premier championnat de football ever contre une école de la Rive-Sud que je me rappelle pas quand j'étais au secondaire. Edouard, ça va aller à... Ouf, ça va aller à E. Ça va aller à E, puis j'ai rien contre la population d'Edouard. C'était à Edouard, putain, mes vidéos, good, mais comme vous savez déjà, qu'est-ce que je pense de la Rive-Sud anyway. Cégep de Rimouski. Qu'est-ce que je pense du cégep de Rimouski? Est-ce que je suis déjà allé au cégep de Rimouski? Non, je suis vraiment jamais allé au cégep de Rimouski. Je pense que cégep de Rimouski, tu vas là-bas quand tu veux devenir pilote d'avion. Fait que ça, c'est le fun. Vu qu'il y a un beau logo, je vais le mettre à B. Pour que cette tier list est tellement peu pertinente. Le monde qui voulait que je fasse ça. Je sais pas où est-ce que vous voyez que j'avais un input intéressant à mettre sur vos cégeps. Cégep de Limoilou, ok? Vous voulez que je dise quelque chose sur le fucking cégep de Limoilou? C'est des estis de bœuf, man. Chris, qui sont gros, man, Limoilou, man. J'étais une recrue, man, à Lionel, puis j'étais D-line. J'étais même pas encore O-line. Puis je me faisais varger dessus par les O-line de Limoilou, là. Décolle ici, là. Pour vrai, genre. C'était... Fait ouais, ma première game de playoff collégial, je l'ai perdu à Limoilou. Puis pour vrai, juste à cause de ça, je vais vous mettre à D. J'aurais aimé ça que vous ayez une saison. J'adore ça aller voir des games de foot collégial, mais que... Yikes. Cégep régional de Lanaudière, les triades, man, ça avec, c'est une gang de là, bro, pis t'es bas, genre 56 à 14, genre. Yo, ça peut pas juste être des histoires de football. Pour vrai, je vais donner une bonne note au cégep régional de Lanaudière parce qu'il y a 3 campus. Les candidats d'OD en ce moment sont dans Lanaudière, puis ils auraient besoin d'un peu d'éducation supérieure. Donc, ce cégep-là va aller à la note de C. Cégep de Trois-Rivières, hey yo, je vais donner une bonne note au cégep de Trois-Rivières parce que vous êtes facile à battre au foot, là, c'est pas ça le problème, mais vous avez un crise de gros stade, man, le cégep de Trois-Rivières. Dad, je vais vous donner un B. C'est vraiment comme un stade type shit, genre, c'est fucking gros, c'est fucking chill jouer là-bas. Pour vrai, moi, je fais de quoi live, c'est vous qui l'avez demandé en tant que tel, comme, je peux pas me sentir mal parce que ma tier list des cégeps, c'est juste mes histoires de football, comme. Bon, on va aller John Abbott. J'ai mis John Abbott, là, parce que, genre, fallait une représentation du West Island. Je sais pas s'il y a du monde qui fuck avec moi au West Island, est-ce que vous êtes là? Are my English speakers fan of me, s'il y a du West Island represent? John Abbott, c'est fucking un beau cégep, c'est là qu'ils ont filmé Blue Mountain State. J'ai fucking aimé aller jouer au foot contre eux. Ils sont pas bons, là. C'est juste du hype, John Abbott. Mais qu'est-ce que je te dis, bro? Cégep du vieux. Tout se passe au vieux. Je vais leur donner la note de B parce que j'ai appliqué là-bas. J'ai été accepté. J'y suis pas allé, ben, j'avais peur de pas faire l'équipe de foot. Fait que chaque fois que vous avez fait peur, je vais vous mettre à B. Cégep Saint-Laurent, pour vrai, là. Moi, dans le temps que j'étais au cégep, vous savez qu'est-ce qui se passait au cégep Saint-Laurent? Ils dormaient dans des tentes devant le cégep. C'était Occupy Saint-Laurent.
Fait que juste pour ça, ça va aller à F. C'est pas parce que t'es pas dans de payer ton loyer que genre tu dois brancher ton fucking toaster dans le cégep. C'est-tu que je connais pas beaucoup de choses sur ces cégeps. Les gens du cégep Saint-Laurent, si vous m'aimez, je m'excuse, mais pas vraiment. C'est la pire façon que j'ai justifié un F de l'histoire de cette chaîne. Pour vrai, non, c'est pas vrai, je vais mettre à E. Ok, je me sens mal par rapport à ça, vous êtes pas un F. Puis là, je viens de voir un autre cégep que je vais mettre à F. Bon, cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, je vous aime terriblement pas, j'ai perdu un bol d'or contre vous. Vous êtes vraiment coquille, vous avez vraiment un gros stade, puis c'est vraiment loin. Vous êtes à côté d'une base militaire, puis comme ça me creep. Saint-Jean, pour vrai, comme, rip vous. Puis vous êtes comme, oh, t'es encore salty à cause de des défaites de football de quand t'étais au cégep. Yeah, man. Yeah. Encore très salty. Là, on a Momo. Tout le monde va faire comme yo, c'est l'obvious pick à S parce qu'il est à Laval, mais même moi, je sortais du secondaire, je suis pas allé à Momo parce que je voulais plus aller au cégep devant, dans le même coin. Genre, je suis allé à Le Temple qui est juste devant. Mais en tant que tel, Momo, c'est un crisse de gros cégep fucking neuf, de plein de bâtiments qui sont neufs. C'est home, tu comprends? Fait que Momo, je vais le mettre à S. Je vais le mettre à A, mais c'est pas un S parce que je suis pas allé, puis c'est une espèce de boule grise que tu te perds dedans, mais il y a vraiment beaucoup de travaux dans le cégep. Il reste Dawson. Dawson, j'ai habité derrière Dawson pendant 6 mois quand j'ai fini le cégep. J'étais supposé aller à Concordia, j'habitais là. Les étudiants de Dawson, vous chillez trop au métro à Atwater, c'est trop gossant. Si c'était la COVID live, je serais tellement mal de devoir passer par cette station de métro live. C'est une belle école B. J'aime dans quel quartier que c'est. C'est comme Westmount, mais pas Westmount. Downtown, mais pas Downtown. Unsick, je vais les mettre à A. Juste à cause du show de Tizo il y a 4 ans qui a dégénéré dans votre agora, je vais vous mettre à A. C'est juste trop iconique dans l'histoire du Québec, je pense. Cégep de Valleyfield, c'est le cégep que j'aime le moins. Je vous bats au football systématiquement. Puis vous avez vraiment pas la meilleure attitude en vous faisant battre. Vos arbitres sont vendus puis ils connaissent tous vos joueurs. Puis ils ont failli me kick out d'une game à cause qu'un arbitre aimait pas comment je parlais. Mais check, moi je trash talk même au football. Fait que tu vas pas essayer de me suspendre de mon dernier bol d'or à cause que j'ai dit à l'autre D-line qui est à chier, ok? Valleyfield, c'est des vendus. On vous a battu au bol d'or puis c'est tout ce que je me rappelle de vous. Anyways, gang. Cégep de Saint-Jérôme, c'est comme le knock-off de Lionel. Si tu rentres pas à Lionel, tu t'en vas à Saint-Jérôme. Chouchou, chang chang. J'aime tellement pas leur équipe de football. C'est quoi des les cheminots, chouchou? Non, non, non. Moi, c'est down de jeu. On va mettre à D juste à cause que j'aime les cégep de région, puis j'aime le fait que les études supérieures soient accessibles en région. Vous êtes à D, vous êtes pas plus bon. Cégep de Sherbrooke, oh, Sherbrooke comme ville, ça va aller à C, ok? J'ai aucun le pensée négative par rapport à ce cégep. Cégep de Lévis-Lauzon, le logo, on dirait qu'il est tellement agressif. Honnêtement, je vous connais pas du tout, j'ai mis ça là parce que je trouvais qu'il y avait pas assez de cégep de la région de Québec. Pour vrai, je vais vous mettre assez parce que je vous connais pas du tout, là, la gang. Et le dernier, mais non le moins, le cégep de l'Outaouais. Bon, j'ai rien à dire contre le cégep de Gatineau. Puis maintenant que je termine cette vidéo, je questionne vraiment la pertinence de cette vidéo. Fait que si vous avez si vous étiez intéressé à ça, c'est ça à D, ok? Bah, juste parce que il faut vraiment marcher longtemps entre le bus pis le terrain de foot. Déposez-nous un peu plus proche du terrain de foot, s'il vous plaît. Là, ça me fait chier marcher avant les games de foot. Il n'y a pas de S dans cette tier list parce qu'aucune institution supérieure se démarque plus que les autres, selon moi. Sûrement que si j'avais fait beaucoup plus de recherches, j'aurais pu comme trouver une nitpick pis vous donner une critique qui est vraiment pertinente, qui vous aide dans votre choix de cégep, mais c'est pas ce que j'ai décidé de faire. Ça va sûrement être ma dernière tier list sur cette chaîne, pas vous mentir. Je pense que j'ai juice out tout ce que je pouvais juice de ce concept. Si vous en avez d'autres en tête, peut-être, mais comme live, je vois pas d'autres choses que je pourrais tirer. Si vous avez aimé la vidéo, like, subscribe, fais les bye, reste à l'école. Gang, 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 gang.